Bala betu basubwe moyo wenu bonso toko fi nganyina vita muji fita lelwe muji nayi bande kona biso babolingo to zongeli lisusu makambu ya bitumba ndenge ezali kotambola na tongo ya lelo lelo jeudi waseki zura penzi tunarudi tena kuzungumuza mambo ya vita vinagombana na l'Est. Voilà, chers compatriotes, permettez. Alors, chers compatriotes, nous revenons sur la guerre telle qu'elle s'est passée ce matin. Elle continue à avoir lieu. Il y a toujours des combats en ce moment, mais en faveur de la RDC. Nous avons le dessus jusqu'à présent. Alors, nous avons des informations sur, chers compatriotes, de DigitalCongo.9, aujourd'hui le 9 novembre. Voilà ce qui se passe. Dans le Massissi, l'armée lance des bombardements sur les positions du M23 à Kiloli-Roué et dans les zones avoisinantes. Ce n'est pas facile à prononcer, Kiloli-Roué, voilà. Alors, l'armée nationale bombarde, vous entendez, l'armée nationale bombarde les positions du M23 à Kiloli-Roué. Kaoussa et Mouyangé au nord Kivu, chers compatriotes, avec de violents combats terrestres rapportés. Calme relatif à Kibumba et Buhumba, malgré les affrontements récents. Les forces en présence maintiennent leur position sans changement notable. Oui. L'armée nationale serait en train de bombarder à l'aide des avions. Ce jeudi 9 novembre, les positions conquises mercredi par les rebelles du M23 à Kiloli-Roué et ses environs, notamment Kaoussa et Mouyangé sur l'axe Massissi, Kichanga, territoire de Massissi. Donc ils sont en train de bombarder. Peut-être qu'en ce moment, comme nous sommes déjà l'après-midi, peut-être que les M23 ont déjà fui. Selon des sources locales, des combats terrestres violents sont en cours dans cette partie du nord qui vous entre ces belligérants. Les mêmes sources signalent les accrochages aux villages Rubona et Sisa dans le groupement Bokombo dans la chefferie Bwito. D'autres sources dans cette région rapportent cependant une situation d'accalmie relative observée et ce jeudi matin sur l'axe Kibumba et Bokombo et territoire Nyiragongo. Oui. C'est calme, c'est-à-dire c'est entre les mains des FARDC et Ouazalendo, puisqu'ils sont là et qu'ils interviennent aussi. Alors, aucun changement observé jusqu'ici dans les combats de Kibumba depuis une semaine. Chaque force conserve ses positions et la situation reste tendue, affirme la société civile de la région. Voilà, chers compatriotes, les combats sont donc en cours. Et puis, je puis ajouter que, bon, selon les informations que nous avons eues sur Internet, YouTube, Joël Kitingué, bon, Thierry Mouami serait arrêté. Il est en ce moment à Kinshasa entre les mains de la justice. C'est un traître. Il aurait livré des armes. Il aurait collaboré avec les M23. Il leur aurait livré des armes. C'est dommage que dans notre pays, il n'y ait pas la peine de mort. C'est pourquoi ils n'ont pas peur. Ils savent que quand ils vont en prison, ils auront des visites. Ils vont utiliser leur argent de loin. Voilà, il est temps que notre Parlement
se penche sur ce sujet. Pourquoi n'y aurait-il pas un député qui propose de revoir cette peine, ce moratoire sur la peine de mort, là, dans certains cas, comme ces cas de traîtrise pendant la guerre, de collaboration, dans les cas de collaboration avec l'ennemi, certains compatriotes. Ce serait dissuasif si certains traîtres se voyaient être fusillés ou même pendus, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, il le faut. Plusieurs sources rapportent des victoires. Kichanga est en train d'être bombardé en ce moment. Il est possible qu'en fin de soirée, Kichanga soit complètement conquis, chers compatriotes.